Elle est bien la petite musique. Bon, je suis blanc comme un cul, hein. Voilà, cicatrice, du coup les traces 0 et cicatrice 0. Donc là il a le visage un peu neutre. Je vais regarder, là il est un peu abîmé, il est sale. Ouais, c'est plus la saleté, ouais, c'est sa trace. Ouais. C'est quelqu'un qui est usé par la vie. Personnage hardcore. C'est quoi ça? Le mode hardcore est réservé aux joueurs expérimentés. La mort est... Allez, nique. La mort est permanente, c'est mort. Plusieurs niveaux de difficulté. Survivant. Vétéran. Cauchemar. Une difficulté qui ne pardonne aucune erreur conçue pour des joueurs suréquipés et maîtrisant leur build. Non recommandé pour débuter. Slap, il me dit de lancer un cauchemar. C'est mort, mon Slap. Et merci Toto Bayek pour le 27e mois d'abonnement. Je joue... Parce que j'ai mis un vétéran. Ouais, on met en vétéran. Ouais. C'est entre les deux, ça passe. C'est ça. Ah ouais, j'avoue, c'est The Last of Us. Ah ouais. Ça, il a pas menti, le type. Hein. Elle a dit, si j'avais voulu me lamenter sur mon sort, je serais resté avec ton père. Waouh, c'est sacrément haut. Je vais t'aider à descendre. C'est bon, je gère. Ça fait trois fois. Trois ? Oh, allez. Trois fois que je te sauve la vie. La crevasse, ton pied. Quoi ? Tu serais plus là si maman m'avait pas appris à faire un pansement ? Très bien. Alors deux fois. La crevasse et maintenant. Hé, laisse-moi regarder. Laisse. C'est rien. Hé, t'inquiète. Allez, remonte ta manche et admets que t'es mon ami. J'admets rien du tout. Voyons ça. Ah. Ça fait qu'empirer. Écoute, y a pas de fracture ni de sang. Ça va passer. Comme toujours. Allons-y. Le gosse a dit que le service était par là. Message, il sera possible de rejoindre cette session après avoir terminé le tutoriel. Ok, très bien. Ah ouais, je boite. Ah mais c'est vraiment The Last of Us, je suis vieux conte de fées. Ouais, comme cette histoire de service. Mais c'est bien, ils ont travaillé la narration. Tout le monde s'entend bien. Ça sonne vraiment comme un conte. C'est sans doute juste deux vieillards enfermés dans un souterrain. J'espère seulement qu'ils ont quelques marchandises à échanger. Sinon, on va plus pouvoir tenir très longtemps. Du coup, je vous le dis, hein, sous ma cam, il y a la carte. Tu crois que les gens vivaient vraiment comme ça? Il y a un cas dans les paramètres, soit le mode qualité qui est en 30 FPS, je sais pas ouais. Ce qu'il y a dans soit le mode équilibré qui est en 60, j'ai jamais vu personne soit le mode performance qui peut monter au-delà de 60, vie, en tout cas. Si tu veux. Ouais. Ça, de base, t'as un équilibré. C'est vraiment les interactions de Ellie et Joël, hein, quand elles découvrent un panneau publicitaire, tout ça. Alors, je pense qu'il faut aller là. Ouais, tu ouvres? Non, j'ouvre. Ok, très bien. Et bah, finalement, j'ouvre pas. Oh, verrouillé, super. Et bah, on va monter. On peut pas faire demi-tour maintenant. On a nulle part où aller. Il doit y avoir un autre passage. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais c'est une sorte de Souls-like en mode TPS. Voilà. Mais c'est les mecs qui ont fait Dark Seeder aussi. Ouais, Dark Seeder. Attends, peut-être que je lui ouvre, merde. Hey, tu vas la débloquer, ouais, désolé.
Je pensais que tu m'avais suivi. Ah merde, c'est X. C'est pas trop tôt. En gros, le jeu, il est très dur et il y a un système comme les Souls. Tu répartis tes points dans différents talents. Et t'as les espèces de feux de camp qui font que ça réanime les ennemis autour dans la zone, tout ça, bref. Ouais, ok. Tu viens, non? Tiens, regarde ça. Qu'est-ce qui est arrivé à ces pauvres types? Je l'ai ramassé. D'ailleurs, je sais même pas j'ai ramassé quoi. Faut pas gâcher. Certains pour soigner ta cheville. Ah! Moi, ça me sera d'aucune aide. Donc LB et X pour utiliser l'objet dans le raccourci. Hein. Hé, allez. Éloignons-nous le plus possible. Ah. Tu veux que je t'aide? Par ici. Ouais, moi, je suis là depuis tout à l'heure. Hein. Je demande que ça. Hein. Y'a moyen de modifier les touches? Parce que j'aime pas trop le système de faire LB et X. Ça fait bizarre. Non. Non? Ok. Genre j'aurais préféré appuyer sur une seule touche. L'esquive et le sprint consomment votre énergie en combat. Oh, ça sent oula pas. C'est la galère. Y'a des claqueurs ici. Son lit de quoi? Rien. On peut marcher. Un truc que ma mère disait. On peut marcher dessus. Voilà. C'est vraiment des claqueurs, wesh. Le même bruit. C'est fini. Bon, ça va, le mec il était essoufflé alors qu'il a tué un gars. C'est fini. C'est facile à faire le claqueur. Je vous laisse les dames d'abord. Non? Bon, bah j'y vais. Hihihi. Je commence à penser que chercher ce service était peut-être pas une bonne idée. Je suis assez touffe l'autre. Oula, il y a une petite arène là. Si tu meurs là, t'es une daube, il dit slap. Ah. Bon, oh, il m'a spoilé qu'il y allait y avoir des monstres. Hein. Hello. Quand elle va descendre. Faut croire que le bois mort a pas complètement disparu après tout. Non. Y a pas moyen que ce non, c'est un jeu coop, à 3. Pas avec un nid comme ça ici. Tu sais, ce serait peut-être mieux de faire demi-tour. On retourne sur nos pas. On peut trouver une autre issue. Enfin, tu peux le faire en solo, mais tu peux le super à 3. Ah, oh, wow, wow, wow. Oh. Tu mets pas ça. Ah. Ok. Tu peux mettre des patates. What? Patate de forain. Hey. C'était fait exprès, slap de mourir. Oh. Oh. J'étais obligé de mourir, il y avait des mecs de partout.
Ça va aller. C'est fini. Oula, oula, temps mort. On est des alliés. On est là pour vous aider. Je vais pas tenir longtemps, Beau. Merci. Vous... qui êtes-vous ? Plus tard, les questions. Il faut qu'on bouge. À trois. Un. Deux. Trois. J'en peux plus. Tu vas devoir te débrouiller seul. Hey, au moins on est ensemble. Ouais. Vous deux, suivez-nous. D'autres vont sûrement débarquer. C'est parti. Je suis de retour à la vie. Vous ne m'aurez pas. Ça grouille de bois mort par ici. Ça doit être ce que j'ai ressenti dans le service. Attendez. Vous êtes du service? Putain. Et vous allez me dire que le Père Noël existe aussi? Ouais, c'est pas loin d'ici. Mais le passage s'est effondré derrière nous. On va devoir trouver une autre issue. Là. Et allez. Il y a quand même beaucoup d'assist, hein. Je sais pas si vous le sentez. Ça fait mes affaires. Ah merde, ah y'a un tirallier. Ouh. Et bouge. Il est beau le jeu, hein. J'aime bien là les décors dans les grottes. Après j'ai pas trop vu l'extérieur, mais je me rappelle le premier il était un peu fade. Là il y a pas mal de détails en fait. Il était temps que ça s'arrête, hein. Il y a rien ici. Commande, commande. Maniez-vous le fiac là. Bah, que je fasse un petit tour du côté des paramètres après. Genre, je pense flou cinétique, peut-être la FOV. J'ai vu aussi au niveau des sous-titres, ils mettent les bruitages là, j'aime pas. Genre soupir, exténué. Le bois mort sait qu'il a perdu. Et il se battra jusqu'au bout. Hé ! Hé ! Oh ! Oh putain. Stylé la musique. Ça fait quand même plus de dégâts. Hein. C'est le petit gun 15-15-15.
Ah, je peux pas tirer au jugé. Et voilà, ganglion de la racine. Eh, ça va? Pas mal visé, nomade. Ouais, j'ai un peu d'entraînement. J'imagine. Mais ne vous en faites pas. Vous serez en sécurité au service. Vraiment. Alors, c'est vraiment vrai? De la bouffe, de l'eau, et des gens qui vivent avec un vieux blanc? Plus ou moins. Oula, attends, je vais te donner de l'eau. Ça va, ça... Casse. Ah, on dirait de la putréfaction. Mais c'est la pire que j'ai jamais vue. Ça va. Je vois pas pourquoi... Il faut l'emmener au service, et vite. La doc est sa dernière chance. On ferait mieux d'y aller. La nuit va bientôt tomber. Ça alors? Lui, c'est Rigler. Appelez-moi Riggs. Je te tiens, ma grande. Surtout, ne vous en faites pas. On va prendre bien soin d'elle. Bienvenue au service 13. Hé, hey, t'en fais pas. Riggs a raison. Elle s'en remettra. Hé, hey, ça va pas? C'est qu'une migraine. Hé, hey, Clémentine. Attends, je vais te donner de l'eau. Ça va? Non. Non, ça va pas. T'as besoin de repos. Beau. C'est le maire du service. C'est pour ça qu'il se croit responsable de tout et de tout le monde. Écoute, je vais aller voir Ford, et puis je vais me reposer. D'accord? J'ai vécu bien pire, tu sais. J'étais en train de chercher sur internet le scénar du jeu. Nomade. Ce que je me rappelle plus du premier. Je suis Beau. Beau Ward. Et ça, Beau c'est Ward. Le service 13. Vous devez venir de loin. T'appelles pas Beau Gosse par hasard? La racine faiblie et tout, mais... Prendre la route... Il y avait un truc avec un arbre. Qu'est-ce que vous faisiez dans le coin, d'ailleurs? Bah, on vous cherchait, vous. Le service? Vraiment? Je pensais pas que les gens savaient ce qu'on faisait ici. Ça fait juste tellement longtemps qu'on est coupé du monde. Je suis surpris qu'on nous connaisse au-delà du portail. C'est plutôt sympa, en fait. Eh, si t'as besoin de quoi que ce soit, suffit de demander. Oh, et commence par rendre visite à Ford. Je suis sûr qu'il voudra te rencontrer. Vas-y, mon gars. Vous avez un point de trait à dépenser. Alors, comment ça marche? Trait. C'est les mêmes qu'avant. Enfin, c'est le même système qu'avant, les points de trait. Augmente la cité maximum. Augmente la régénération de puissance de mode et réduit la recharge des talents. Bon, pour le moment, on va prendre la santé. Hein. Voilà. Le personnage, souhaitez-vous valider ces changements? Oui. Donc ça, c'est l'inventaire. Comme on a la Deluxe, là, on n'a pas eu des trucs dedans. C'est plus tard. Ah, c'est plus tard. Ouais, j'avoue que ça serait un peu tôt. Que la racine a vraiment disparu pour de bon? Pas fini du tuto encore. Mais je pense pas que ce soit ça qui compte.
Alors attends, il est où Ford là? C'est qui lui? Lui il fait des masques. Bonjour monsieur, je peux vous parler ou... Pour voir la carte. Comment je sais qui est qui? Ah, c'est forcément le gars là-bas en fait. Ford. Ce n'est pas négociable. Tu restes, point final. Je me rappelle pas t'avoir demandé ton avis. Je n'aime pas beaucoup ce ton, jeune fille. On en parlera plus tard. Laisse-moi tranquille. Eh bien, qu'est-ce que nous avons là? Ah, Nomad, bien sûr. Voilà, s'avait dit, oui. Juste à temps. Navré que vous ayez dû assister à ça, mais bon, vous savez sans doute ce que c'est, des histoires de famille. Andrew Ford. On me dit quelque chose, sa voix. Heureux de faire votre connaissance. En chair et en os. Je suis aussi réel qu'une rage de dents. Je suis sûr que vous avez plein de questions. Et j'aimerais vous demander une faveur. C'est pas Tywin dans Game of Thrones, bah, j'ai pas regardé en français. Passez devant. C'est une longue histoire et je n'ai pas assez de temps pour la raconter maintenant. Poursuivons. Vous voyez comment certaines boissons peuvent vous rendre ivre et certains aliments vous rendre malade ou vous endormir. Eh bien, d'autres choses vous font ça si vous les consommez. Le monde est vaste. Ah. Vous n'aurez jamais la même chose que moi. Et à votre place, je me méfierai. Pas vous précisément, avec tel nom et tel numéro de matricule, mais je savais que quelqu'un venait. Vous avez de l'esprit. Sceptique ? Ça ne fait rien. Il se trouve que je savais que vous viendriez aujourd'hui. En tout cas, je l'espérais. Notre jeune Wallace me l'a dit. Wallace, c'est un garçon spécial, très semblable à quelqu'un que je connaissais. Elle faisait aussi de mauvais rêves. Des rêves de choses qui ne se sont pas encore produites. Disons plutôt qu'il peut voir très loin dans le présent. Parfois. Oh, rien de très dangereux. Je dois rassembler mes forces. Puis nous nous y mettrons pour de bon. Ouais, bon, c'est bon, hein. Vous avez joué vos cartes à mon tour. J'ai besoin de quelqu'un de jeune et apte à barouder pour donner un coup de main à un pauvre vieil homme. Parlez à Wally. Vous le trouverez près des docks. Après cela, équipez-vous. Et retrouvez-moi à la porte du service. J'aurai une histoire à vous raconter. Une histoire. Très bien. Je vais descendre ici. Oula, c'est quoi ce machin? C'est ici qu'on améliore ses armes. Oh, ta mère, toi! Oh, on se réveille là! Mais tu sais qu'on est en train de jouer, on est en vidéo YouTube! Et voilà, bah, ça laissera une trace. Ouais. Bah, laisse-la dans ça ton va, caleçon. C'est pneumatique, hein, j'ai bien ouais, vu. Ouais, mais même. Il est fou ce mec. J'enregistre une petite découverte YouTube, il vient. Ah merde, putain, tu vois, à cause de toi là, je monte un étage au-dessus. Allez, ferme-le. Bon, bah, je vous laisse alors. Ouais, des bisous à demain. Hein. Ouais, bisous, bisous. Hein. Fou lui. Ça y est, il est en vacances, il est content. Ouais. C'est vous que Ford attendait. Par contre, il ne se rappelle plus qu'il attendait. Il pense qu'il a besoin d'aide. C'est elle qui en a besoin. Vous savez et vous ne savez pas. Pardon, je devrais me taire. Les choses deviennent compliquées quand j'en parle. On parle que avec des messages codés. Je vous l'avais déjà dit. Probablement. La vision, vous savez... Pardon, j'ai sans doute déjà parlé de ça aussi. Vous avez une route à parcourir. Vous choisissez votre premier pas ici. Mais votre chemin peut encore changer si vous le souhaitez. Mmh. Ah, d'accord, c'est à ce moment-là qu'on choisit sa classe, ok. Voilà, et là, je t'attendais là. Alors, vous avez pris quoi, vous? Bah, j'ai pas choisi encore. Moi, j'ai pris Pistolero. Ah, toi, par contre, t'as pris 10... 100% dans le micro, là, surtout. Là. Le mec, on l'entend trop maintenant.
Je te baisse. Alors, t'as pris pistolero alors qu'on a besoin d'un médecin, enculé. Bien sûr. Non, jure. Non, dis la vérité. C'est la vérité, hein. Mais non. Mais le mec, il me dit j'adore jouer les médecins dans les jeux, et là, il nous trahit comme ça, là. Allez, allez, hein. C'est un mytho, mais on a même pas attendu pour les choix et tout. Alors, du coup, le challenger. J'avoue, il nous a même pas attendu, ce bâtard. Le challenger se spécialise dans le combat au corps à corps et bénéficie d'une capacité de survie accrue. Ouais, c'est le tank. Le maître chien se spécialise dans le travail en équipe. Oh, c'est dark ça. C'est-à-dire que tes pouvoirs, tu peux envoyer ton chien et tout. Votre compagnon vous suit et inflige 20% de dégâts supplémentaires. Oh, c'est dark. Ensuite le pistolero. Ah, ça c'est la classe, je pense que tout le monde va l'apprendre. Hein. J'avoue que dès que je l'ai vu, elle m'a chauffé. Hein. Le pistolero se spécialise dans les dégâts bruts, le maniement des armes à feu et la conservation des munitions. Aïe 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 aïe. Et le médecin se spécialise dans la survie grâce à des soins accrus et nidiers. Bon vas-y, sérieusement, qui a pris quoi là? J'ai attendu pour discuter ma team. Il a vraiment pris pistolero le bâtard. Oh, lui il nous attend pas. Tout, là. Mais va te faire foutre. Non, mais dis la vérité, vraiment, parce que si je prends pistolero, on est deux pistoleros. Hein. Ah, bah ça serait dommage. Tu l'as pris ou tu l'as pas pris? Il ment. Mais imagine, je prends médecin en te pensant que t'as pris pistolero et en fait t'es médecin. C'est pour ça, dis la vérité. Ah, bah rip, hein. Mais non, y'a pas de rip, dis, je vais cliquer là. Ce sera le mystère. Non mais non, mais il est fou. Non, moi je prends pas médecin, de toute façon c'est mort. Eh, je m'en fous, et on peut même faire le jeu entier sans médecin, je prendrai pas médecin. Je médecin parce que je prends pas médecin perso, donc tu te démerdes. Moi non plus. Eh, après on s'en fout, en vrai y'a pas besoin de médecin. Non, si. On est des BG, nous. On est des BG, en vrai, ouais. Je prendrais bien maître chien. Ah, donc tu nous attends là, c'est bon. Ah mais attends, y'a le chasseur aussi, je l'avais pas vu lui. Le chasseur se spécialise dans les dégâts à distance, les tirs de précision et le marquage des ennemis. Ah, c'est sniper. Bah tiens, Snowstorm, t'aimes pas ça, toi? Moi, ouais, les snipers, ouais. Ouais, je sais pas, hein, vu que dans Exoprimal, t'aimes bien le sniper, je me dis que... J'avoue. Puis comme t'es mauvais, en général, c'est peut-être mieux de rester à distance. Mais tu veux quoi, sale merde? Bon, vas-y, moi, en tout cas, je prends soit... Non, tu voulais prendre maître chien, t'as dit, Spartan? Ouais, je suis chaud parce qu'il est... il a une compétence, ouais. Qui heal, je crois. Ouais, ouais, là, votre compagnon vous suit et soigne les alliés à moins de 3m5. Bah vas-y, bah prends-le. En plus, même moi, j'hésite entre maître chien et pistolero. Maître chien, ça fait penser un peu à John Wick, en plus. Et bonus principal, lorsque le maître chien est à terre, son compagnon tentera de le réanimer. Oh, magnifique, ça. Voilà, ça, c'est pas mal. Et pistolero, bonus, activez un talent de pistolero. Recharge instantanément vos deux armes à feu et accorde des munitions illimitées pour nous. Ah, c'est pas mal ça. Allez, c'est parti. Pistolet. Ouais, ça prend tout son sens. Du coup, nouveau trait, réserve de munitions. Ça a l'air d'être la bonne route. Vous avez raison, bien sûr. Votre route vous attend. Dites à Brabus et Ava que c'est moi qui vous envoie. Ils ont ce qu'il vous faut. Ils sont la prochaine étape de votre aventure. Au revoir. Du coup, je viens de débloquer des trucs là, mais je sais pas si c'est le contenu de l'édition ultime ou si c'est la tenue qu'ils m'ont donné, la tenue de base. En plus, ça veut pas bouger là. Attends, je vais voir. Ah non, non, c'est le contenu de base en fait. Très bien. Eh bien, je retourne voir l'autre là, le vieux. J'ai déjà oublié son nom. Eh, mais bouge! Ah, c'est à nous de désactiver. Équipé et paré. Alors, qu'en dites-vous? Est-ce qu'on se met en route ou vous avez autre chose à faire d'abord? Allons-y. Bien. Voyons quels dangers sont encore tapis dans le vieux service. Ah voilà, c'est ça le petit cristal là. Ça doit être ça pour valider le mode coop. Dès que j'aurai trouvé mon premier. Il a un bâton le type, on dirait il va trouver une source d'eau. Ah, l'odeur de la maison.
Tenez, prenez ça. Faites tourner la poignée pour l'allumer. C'est un centre de recherche, à la pointe de la technologie. Nous y faisions des choses que personne n'aurait pu imaginer, ni avant, ni depuis. Pourtant, malgré tout notre personnel, nous ne savions pas ce qu'étaient vraiment les pierres avant qu'il ne soit trop tard. Les pierres ? Les pierres mondes. Des cristaux rouges géants, permettant de voir d'autres mondes. Ah, ça y est, maintenant je peux jouer. Et alors ? C'est juste après, qu'il fallait faire ? Cacher les pierres et espérer que les soviets n'en trouvent pas de leur côté ? Non. Il fallait qu'on découvre tous les secrets qu'elles renfermaient. C'était une question de sécurité intérieure. Ah, mais c'est dans le 1, là ! Et d'orgueil. Alors, oui. C'est la base du 1 ? Nous avons ouvert la porte et nous sommes entrés. Ah ouais, je reconnais. Quelque chose attendait de l'autre côté. Ça ne s'est pas passé tout de suite. Pour tout vous dire, les habitants des mondes vers lesquels on voyageait ne pouvaient pas nous suivre. On pensait être en sécurité. Mais oui, la racine a trouvé un passage. Après ça, eh bien, on sait tous ce qui s'est passé ensuite. Verrouillé. Ah, il faut une clé. Mais c'est chez moi, ici. Venez. J'avais donné à Hélène des choses à garder précieusement. En plus, le boss final, tu l'affrontes ici. Toi, tu dois regarder dans un miroir et après, t'es transféré dans un monde et tout. Où est-ce que tu as caché ça ? Dans le premier, hein, bien sûr. Ah oui, le cristal. Voilà. J'avais pas reconnu l'extérieur, mais je crois que dans le 1, on n'est pas à l'extérieur. On est direct dans la base. C'est pour ça. Bon, il faut trouver la clé. La clé. Tiens, derrière le tableau, ça semble une bonne cachette, non ? Oula. Il y a surtout une pochette d'allumettes, un objet de quête. On appelle ça un cœur draconique. Ne me demandez pas pourquoi. Gardez-le sur vous, vous en aurez peut-être besoin. Ah, le cœur draconique, c'est pas pour améliorer ses soins ? Il me semble que si. Allez, en route. Bon, toujours pas de clé. Il est où le vieux ? Il est là-bas ? Ouh, le vieux ! Et il avance vite d'un coup là, le vieux. Ah ouais, il bombarde là, hein. Toi tu disais ouais, non. Dépêchons. Je l'ai perdu, frère. Ah, il est là. On dirait que quelque chose bouge à l'intérieur. Ah, parce qu'il y a une clé dans là. Ah, on peut interagir avec les objets, d'accord, trop bien. Déverrouillons cette porte. On a pas ça me fait grave penser à Resident Evil. Est-ce que c'est... La pierre monde. Oui. Ou du moins une partie. Chaque éclat fonctionne comme le tout. On l'a éteinte après la mort d'Arsgard. Comme je le disais toujours à Hélène, ce maudit truc est plus dangereux qu'utile. Ah. Évidemment. Ah, peu importe. Bien. Voyons si ça a marché. Une minute, je comprends pas. De quoi on parle, juste ? Putain de merde. Je me demande, Landruford, qui a touché ce cristal la première fois, est-il jamais revenu ? Partez. Dites à Beau de condamner cet endroit. Pas juste le verrouiller, mais prendre des explosifs et l'ensevelir totalement sous le béton. Plus dangereux qu'utile, rappelez-vous. Ne l'oubliez pas. Fort. Oh là là. Ah, ça va pas plaire à Boss.
Oh, le salaud, il a réussi. Il a fini par le réveiller. Clémentine ? Hé ! Il t'a dit comment l'utiliser ? Je suis pas sûre de vouloir. Erreur système. Le cœur a été compromis. L'outil est retiré. Initialisation de la question. Clémentine ! Me lâche pas ! Je glisse ! Clémentine ! Oh merde ! Oh merde ! Merde, merde ! Non, 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 fais pas ça. N'y pense même pas. Oh, et puis merde après tout. Désormais possible de rejoindre cette session. Voilà, et j'ai des armures là, nouveau, c'est cadeau. Armure radiant. Armure du néant. Pack du survivant. Ah, let's go, voyons voir ça. Oula, ouais, mais il ressemble plus du tout à un cow-boy en fait, c'est ça le problème. Ah ouais, on dirait des mecs de Destiny. Ah, il y a les armures qui vont avec, hein. Ah, je peux faire un petit cow-boy un peu futuriste. Quoi, c'est radiant, hein. Ouais, c'est ça, radiant. Parce qu'elle donne un tout petit peu plus. Et bien mon cow-boy du futur, non ? Je suis pas fan des armures, en vrai, ça fait pas dans le lore du jeu. Bah, un cow-boy non plus, hein. Bah un peu plus tu vois. Ouais mais bon. Et au niveau des armes, moi ça va pas bouger ça. Ok ok. Pistolero. Du coup vous êtes là? Attends. Utilisez le point de passage pour réanimer, c'est normal, attends, j'attends que Spartan. Voilà. Hop. Et là ça va vous ramener, attention. Wesh. Les sauces. Oh my god. Se reposer au point de passage. Multijoueur, ah merde, j'ai pas lu. Bon, dans tous les cas, on est ici, les gens. Donc, checkez juste derrière s'il n'y a pas des coffres. On fouille, hein, dès que vous voyez du loot. Attends, j'ai pas vu ton perso là. Par la kill, hein. Mais il y a une porte là, attends. Ah, il faut un objet. Moi, ça va. Ouais, t'as vu, tu fais cowboy du futur. Spartan, t'es chauve. Ah non, t'as, d'accord, ok. Ah, je peux caresser le chien. T'as vu la tignasque là? Ouais, ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, il est gentil, mort pas, non? C'est bon. Ah, ouais, il a fait Shabba le Spartan. T'as vu ça? Il s'appelle Razmo. S'appelle Razmo. Allez, bah viens Razmo, viens avec nous. On a plein de belles choses à te montrer. Clémentine, j'avoue, ça a égayé le groupe. Allez, regarde. Jamais là quand on a besoin de. Palais béatifique. D'abord le cristal. On dirait un mec qui s'est splouché au sol. Je vais me dépêcher si je veux retrouver Clémentine. Ah, il faut mettre une tête. D'accord. À gauche ou à droite? Bah, ça sera à gauche. Hein. Faut mettre deux têtes du coup. Donc, à mon avis, ah bon, une à gauche et une à droite. Okay. Ah, c'est très très joli. Hein. J'aime bien. Ah. Voilà. Les gars, au secours! Wesh. Oh, voilà, venez. Bah, je savais pas moi que c'était un ascenseur. Parce nous, adieu. Vas-y, saute. Saute si t'es un bonhomme. Y'a quelqu'un en haut? Il est où? Ouh. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'est perdu. Bon, allez, vas-y. Allez. Comment ça, il nous a perdu? Désolé, ce mec. Je regardais pas, frérot. Ah ouais, tu faisais quoi? J'ai changé mon bonhomme pour avoir un peu plus de style. Ferme-la. Bah, démerde-toi. Ouais, ça abandonne les potes comme ça. Bah, alors là. Surtout, prenez pas les points. Hein. Sinon, ça réinitialise la zone.
porte fermée. J'ouvrira très certainement plus tard. Bon ben, au bout de... Marchez ! Non. Là le chien, qu'est-ce qui se passe? Merde, ça brûle. Il est toujours pas avec nous l'autre con. Bah attends, vous avez fait du chemin en vrai. Il est fou lui. On a rien bah, fait. Un petit peu. On a rien fait du tout. Malade ce mec. Ah, il y avait écrit appuyer sur LB, RB pour utiliser quoi, pardon, putain. Je suis tellement concentré sur les décors. Pour utiliser l'ulti, non? Oh putain! Oh, y'a des mecs de ouf là! Comment on ping? Oh, je suis mort! What? Faites gaffe, il est ultra chaud! Ma limite OS! Non, les gars, attention, il est là! Hein. Attention, attention! T'es derrière! Ah là là, ah là là, ah bah là ça va être la première mort! Hein. Regarde lui, il est chaud! Je vais mourir! Help me! Le soigneur! Ah bah non, c'est bon, on a pas de soigneur! Merci! Allez, mon bâté! Ah, merci, mon gars! Et des mecs! Il contre les balles! Comment ça, il contre les balles? Mais avec son épée, il me contre mes balles! J'arrive. Ah c'est lui, mais oui, ma OS. J'ai tout cramé. Oh, voilà, j'ai fait pistolero, frérot. Oh, je suis en malédiction, comment ça? Malédiction. Pourquoi je suis maudit? Qu'est-ce que je vous ai fait, moi? Bon. Ah bah ça commence bien. Bah ouais. C'était pour expérimenter, je voulais voir ça fait quoi de mourir dans le jeu. Bon, fouiller, hein, il y a du loot. Genre ici, c'est quoi? Ah bah c'est le masque. Un masque. Voilà. Mais ça ramasse pour tout le monde, ça va. Ah. Apparemment, on peut casser les vases. Oh, un coffre. Où? Ah, ça nous ramasse aussi, hein. C'est trop bien, ça. Là, vous avez le fer et tout, là? Bien sûr. Ah ouais. Je pense que bientôt, plus de bol. Ouais, t'as vu, hein, le jeu il est pas facile. Hein. Faut pas faire le fou. Hein. Oh! Après, normalement, t'as ta petite arme hein, qui est illimitée, non? Pour l'instant. Ah non, même pas. Elle est même pas illimitée. Non, je sais pas, non, même pas, ouais. Après, ils en lâchent des balles, les mecs. Bah, je pense rester en haut, non? D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait, lui? J'ai un ange! Un ninja, t'en as même deux. Est-ce qu'on peut ping? Oh putain. Oh putain, moi aussi. Allez, pas les gars, les gars. Protégez mes arrières. C'est la merde. Ah, on est parti voir Spartan. Ah, y'a un coffre ici. Moi aussi, j'en ai. Tiens. Fragment de relique. Vraiment fouiller bien. Très important de fouiller. Mais je crois qu'il y a les dégâts alliés là. Oui. Ça fait assez, j'ai mis une balade de lui, c'est là. Comment on soigne la malédiction là? Je suis maudit. Je crois qu'il faut réinitialiser la zone. Hein. On va pas avoir le choix. Hein. Tiens, le jeu est magnifique. Ouais, c'est quoi ça? Ah, ça m'a soigné de ma malédiction. Oula, ça nous ramène pas du tout dans la salle de ça arrive. Gardons quand même l'œil ouvert. On sait jamais. Belle
là. Oula, il y a un gros porc. Oh putain. Ouais. Moi je laisserai vous. Je ferai Ouais, bien joué. C'est bon. Oh putain. Fragment de relique. Ah, évitez de vous mettre devant. Hein. Gardons quand même l'œil ouvert. Là, les balles, ça devient chaud, frérot. J'avoue. Ah, j'en ai que 7. C'est un survival horror, le machin. Y'a rien dans les coffres. Enfin, dans les caisses, pardon. Un coffre ici. Oh, ça sent pas bon. Putain, il va me tuer. Ils sont chauds les mecs. Y a rien ici, genre. C'est Poudlard. Vous êtes parti où vous là? Wesh, mais non, mais revenez. Mais quoi? Mais pourquoi vous êtes remontés tous? Ah, il est mort? Bah bon, déjà je suis mort, mais en plus, pourquoi vous remontez? Voilà. Et pourquoi t'es mort déjà? Mais pourquoi vous êtes remontés? Attends, pourquoi t'es mort? Mais pourquoi? Mais on est en train d'explorer, vous remontez d'un coup comme ça, sans prévenir. Non, on savait pas que t'es passé dans un autre endroit, on pensait que tu nous suivais. Mais il faut le dire quand on rebrousse chemin. Moi je pensais qu'on explorait, que vous aviez avancé. On a avancé, c'est quoi, c'est beaucoup, hein. J'ai pas compris le délire de revenir d'un coup en arrière alors qu'on est en train d'explorer. Genre vous avez même pas exploré tout ça, là regarde, y'a un truc là. Réussi. Bim, y'a un bouquin. Ah, c'est les fameux bouquins, j'ai vu sur le stream de Slap. Il y a 50 pages. Oulala, oulala. Mes frères, c'est les livres d'Harry Potter là. J'ai pas confiance en lui. Quoi? Gentil, méchant. Qui? Méchant, gentil. Gentil, là. Gentil. Gentil. Ouais, gentil, regarde, c'est qui? Oh, il nous fait une danse. Et bah, normalement, il y a des emotes dans le jeu, non? Faut pas faire une petite danse? Faites une danse. Ah, je trouvais combat ping, flèche du bas. Et bah, justement, flèche du bas, t'as des emotes. Attends, c'est bugué par contre, les emotes. Par là. Voilà. C'est fou, je connais même pas ce monde, j'ai pourtant 10 heures de jeu. Tu sers à rien, Slap, t'as vu, t'explores pas. Après, ça critique les joueurs de Souls et tout, mais t'es pire. Bon, allez, il sert à rien. Mais non, mais ça se trouve, faut faire une emote. Beau travail. Mais moi, ça marche pas les emotes, hein. Ah non, pardon. Je croyais qu'il y avait un truc. Ah, on a fait le top là, mais. Je sais pas, il est en train de jongler. Il doit y avoir un truc à faire avec lui. Hein. Ah, je vais l'applaudir. Ah! Eh oui. C'est vous avez trouvé ou c'est moi qui a eu? Je sais pas. Cloche moi, du fou. Touché. Ah, bah c'est moi qui l'ai obtenu en applaudissant, je crois. Si vous avez rien trouvé, c'est moi qui l'ai eu. Hein. Non, moi j'ai rien touché. Et oui, Slap il a raison. C'est un monde procédural, donc on n'aura pas le même que le sien. Ah, c'est un monde procédural? Trop bien. Oui. Regarde, il me fait quoi là? Il m'a donné une plume, regarde! Plume de qui? Wesh! Alors, niquez-vous! Si on vous avait suivi, frère, vous serez parti. Vous serez remonté déjà. Bande de ah, balle. Et la plume, ça permet d'ouvrir le mur là. Et voilà! Ça a répondu là, machin. J'avoue. Vas-y hein. Ah il faut c'est il qu'on attend. Mais il est où lui? Il est où? Ah, moi je suis très loin les gars. Tous les joueurs de... tu peux pas te TP? Non.
pas. Oh putain, mais pourquoi? Mais restez ensemble. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas, le putain, type? Il a trouvé le début. Tous les jeux, le mec il se barre solo, lui. C'est pas possible. Allez, bon courage, j'ai monsieur. Au revoir. Ça pue. Je savais pas que c'était un monde procédural. Oula. Salon du postulant. Se reposer. Est-ce que c'est pas mieux qu'on se repose, les frères? Bah bien sûr qu'on va se reposer. Ah ouais. Mais je crois qu'en fait on est revenu, hein. T'as dit que la plume elle avait ouvert ça. Ouais. Non, bon. Est-ce qu'on l'a pas débloqué celui-là, donc il s'enleverait pas, hein. Non, attends, on savait pas où aller, nanani nanana. Si je clique là, bah non, on est revenu où on était tout à l'heure, j'ai l'impression, non? Je crois que c'est raccourci la plume. Je sais qu'on l'a ah, pas ouais, fait. C'est... Ah oui, il a raison, ouais, donc non, c'est nouveau. C'est pas un coffre ça, non, c'est une table. Wesh, on dirait un peu les environnements de Godfall. Ok, c'est parti. Jamais baisser sa garde. Ok. Il y a beaucoup d'endroits. On commence par la gauche, non? On reste bien ensemble. Hein. Tu veux qu'on se suive? Tiens, on a un anneau. Oui, on se suit. On va pas faire des fous. En plus, je suis tombé déjà deux fois, moi. Mais toi, c'est tombé, on est pas tombé. Hein. Ouais, parce que vous êtes pas. Vous collez la nuit. Attention. Derrière, derrière. Eh bim, allez hop. Eh bim. Il faut enchaîner. Ah wesh, c'est dur là, hein. Putain, il faudra que j'achète un truc de rechargement rapide. Mais vous utilisez vos capacités ou pas? Pas vraiment. Avec les deux petites gâchettes. En même temps. Tu fais LB, après t'appuies sur RB. Oui, voilà. Dès que t'appuies ouais. sur LB, ça te dégrise le petit RB en dessous. Oui, oui. C'est pour se soigner et aussi utiliser des caisses de mine. Bah, attends, parce qu'apparemment celle-là c'est une petite pièce. Mais c'est fermé. Est-ce qu'il faut pas trouver un truc? Non. Je sais pas. On va avancer. Bah, là aussi c'est fermé. Voilà. Bah alors, c'est bizarre ici, hein. Ah, il y a un bruit là. Vas-y, on recule. Oh là là. Putain, y'a le gros. Recule. Oh putain, t'as pris cher là, non? Ah oui. J'ai esquivé, wesh. J'ai pas compris. Ah, ton chien, il t'a réa. Ah ouais, c'est bien ça. Il est dard, son chien. Allez, allez, hein. Ouais, mais il peut pas réa tout le temps. C'est passé, celle-là. Bah, heureusement, sinon ça serait cheaté. Mais là j'avoue que il m'a bien arrangé parce que je pouvais pas l'aider là. Ça arrive. Ah. On est tiré d'affaire pour l'instant. Il y a un gars là. Wesh. Il y a une Valkyrie. Wesh, ça veut que je. C'est quoi ce délire là? C'est un jeu. Qu'il faut faire. Fallait que je reproduise le schéma. Morpion, frérot. Hein? On dirait un morpion, wesh. C'est pas des échecs? C'est bizarre que c'était des échecs, quand même. Ah, faut pas faire une ligne? Ah, y'a moyen, ouais. Bah, m'a baisé. Bouge en bas là. Bah, non, enfin, m'a baisé. En haut à droite.
Non. Bah si, si elle monte celui-là, là, au milieu. Bah... Non... Elle m'a baisé. Aïe aïe aïe... Oh, ça me fout la tristesse. C'est quoi ce jeu, là? Vas-y, on fait le Léviathan à gagner. Attends, j'avoue. Attends. Il faut la pousser. Bah, je peux en bouger que deux, là. Bah, je vais bouger celui-là. Et je vais le mettre... J'ai peur qu'ils me prennent le milieu. Ah mais ça marche même aussi en diagonale et tout. Hein. Vas-y, attends. Et tu peux aller partout sur les lignes. Ah bah voilà, c'est bon, j'ai gagné. T'as des lignes, c'est bon, c'est bon, j'ai gagné. Hop, et je descends l'autre, c'est bon. Ah, ah ouais. Tu descendre avant, bah oui, couillon. Mais c'est pas grave, on va refaire. Hein. Ouais, mais non, de toute façon, ça change rien, tu peux faire des diagonales. Et si je fais ça? Ah, oh ah, mais ouais, mais wesh. Ah, mais il est c'est bien ce jeu. Parce que je l'attends. Écoutez, il existe ce jeu là, vu que je vais l'acheter. Bien sûr que ça existe. Mais il est incroyable. J'avais déjà vu ça quelque part, mais je sais plus où. Mais eh vas-y, vas-y, fais-le. Fais-le, Spartan. Là. Théma, la taille de la dos. Je peux pas. Je peux pas. Genre, t'es condamné. Mais oui. J'ai appuyé sur B, ça veut pas. Putain. Allez, allez. Hein. Mais aide-le, Spartan. Donne-lui des conseils. Mais personne n'a de conseils. Joue au milieu. Celui de droite. Je remonte là. Ah ouais, c'est bon. Tu vas en haut pour le bloquer et après t'as ta diagonale. Non. Ah si. Là il est baisé. J'aurais pas fait comme ça. Ah bon. J'aurais déjoué où qu'il a joué là, celui du milieu. Et après tu remontais le tien du milieu au milieu. T'as... Mais c'est pas ah oui, possible. Voilà, avance l'autre. Celui-là de droite en bas. J'avoue, on l'a fait tout à l'heure. Non, suis-le, suis-le, t'inquiète. Mais il non, a su, regarde. Su, mais non, écoute, mais non, écoutez-moi. Si je bouge celui de la droite en bas, il va descendre ouais. Celui de la droite en bas. Et je pourrai plus bouger les deux. Donc je vais devoir monter ah oui, celui du milieu et il va me baiser. Ah oui, il va te niquer pour oui. Le milieu. Mais là, si ah oui, bah, le problème, c'est que. Ah oui, il m'a baisé dans tout. Il va prendre les. Wesh! Attends. Ah, attends. Si je fais ça là, il va monter. Ah, y'a. Ouais, mais. Y'a un autre Sikutsun là que t'as. Attends, attends! Oh, je reprends le milieu. Vas-y, vas-y, vas-y. Là, je l'ai baisé! Monte! C'est bon, je l'ai baisé! Aïe, aïe, aïe. Vas-y, vas-y. Voilà! Nick! C'est gagné. Voilà mon gars! Il faut réfléchir en fait, c'est tout. Bim! Yes! Allez, donne-moi la récompense, c'est quoi la récompense? La porte est ouverte, hein, passe. Quoi là, derrière là? Ouais. Mais Nick Sarah, c'est avec ses grosses ailes lui là. Y a intérêt à ce que j'ai une dinguerie, c'est... hein. C'est donc ça les Valkyries du jeu? Bah ouais, voilà. C'est quoi du coup? Un arc. Oh, pauvre Snowstorm qui a rien du tout. Bah si, je retournerai aux endroits, vous m'attendrez. Oui, 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 bien sûr. Non mais j'irai tout seul, bah les oui. Couilles. Attends juste, il y a un document à côté en fait. Il y avait un document ici, ça va peut-être me dire c'est qui. C'est le postulant. Tout le monde connaît le postulant. Cette mystérieuse et silencieuse figure qui ne fait rien, absolument rien, à part rester assis à sa table et affronter quiconque ose le défier à son jeu idiot. Tout le monde sait qui il est et ce qu'il fait, mais personne ne sait pourquoi. Je serai la première à exposer ses véritables desseins. Le postulant ne montre jamais la moindre allez, émotion, allez, même lorsqu'il remporte la partie. Il joue, c'est tout. D'après moi, ses agissements cachent des intentions néfastes. Ou peut-être a-t-il découvert une vérité dans les arcanes de ce jeu sur laquelle personne d'autre n'a jamais mis le doigt. Quelle qu'en soit la raison, il y joue aussi longtemps que remontent les mémoires.
Je vais l'observer, je vais lui parler. Je vais le frustrer et l'offenser, si nécessaire. Et ce faisant, j'obtiendrai les informations dont j'ai besoin. Mais d'abord, je dois apprendre les règles du jeu. Ah vas-y, allez, ah, allez, c'est bon. Il y a 15 000 pages. Par contre, j'avoue que les accents, c'est un bug sur Word. Hein. Oui, c'est parce qu'il y a des polices d'écriture qui ne prennent pas les accents. Ouais, ils se sont pas fait chier. Ah bah, ils allaient pas refaire une police pour ça, ouais. En tout cas, imaginez, il y a un bête de mystère avec ce mec-là. Ça serait marrant, ça. Bon, la prochaine fois que vous verrez... Oh là. Vous verrez le fou, là. Le fou qui est là, d'ailleurs. Hein. Merci, mec. Hein. On est tiré d'affaire. Il est bien l'arc. Pour l'instant. Je l'ai pas testé, d'ailleurs, tu vois. Ah, mais ça, attends, ça compte comme quoi? Augmente la régénération de santé. Et la cloche, du coup, ça sert à quoi? La vitesse d'activation des modes et des talents est augmentée de 35%. Ah, c'est bien. Hein. Ouais, mais du coup, l'arc, ça compte comme une arme. Ah oui, voilà. Est-ce que je peux la mettre à cette... Non. Est-ce que je peux remplacer par ça? Non plus. Ah, bah non. Vous validez, vous, l'arc? Ouais, j'ai pas trop testé. Moi, j'aime bien. Après, faut rester derrière, quoi, parce qu'au corps à corps, c'est compliqué. Vas-y, vas-y. Merde! Du coup, on était où, nous? On avait fait, faut qu'on style. Ah, il faut remonter, là. Stylé, l'ascenseur. Hein. Donc là, vous êtes en train de me dire... Ah, merde. Hein. Bon courage. Hein? On aurait pu s'arrêter. Attends, il y avait un deuxième palier. Tu l'as vu? Tu connaissais de sauter? Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Ah ouais? Vas-y, vas-y, attends, il est là, là. Attendez, vous êtes où? Attention. Wesh, il est où? Je suis perdu sur la map, wesh. Wesh, mais on l'a bien vu. Mais oui. Mais reviens, reviens, toi. Mais vous êtes ah tous là, perdus. Ah là, ce côté, Joe. Là, regarde ce côté, comme ça, et il est là. Wow, 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 wow. Allez, laisse partout. Et là, tu vas directement vers nous. Il veut plus monter. Mais... Attends, sortez tous. Et on remonte. Oh merde. Alors là, de et là, ce côté... C'est là. Ah oui. Ouais. Wouhou. C'est bon. Ouais. Ah, il y a un objet là. Ah là. Ah, il y a notre mur encore secret. Mais attends, on découvre des dingueries là. Oh, putain, il y a un gros monstre en face. Hein. Ah, me dites pas allez, qu'on va retourner dans un labyrinthe là. Rejoue au Pulse. Putain de merde. Ah, super, c'est là. Bah, au moins c'est bien parce que s'il y a des secrets dans toutes les maps, on est loin de le terminer le jeu. Donc on a du contenu. J'aime bien moi. Oh, ça change les décors. Oh, on a un extérieur. Ouais, en extérieur. Ouais, j'avoue. C'est dans tes villes, village quoi. Et du coup. Vous voulez pas sauvegarder là les frérots là? Bah je crois que ça a déjà sauvegardé non? Tu vois? Vas-y. Je sais pas si ça l'active automatiquement ou s'il faut le valider à chaque fois. Ouais je sais pas, c'est pas indiqué. Logiquement non. Vous avez suffisamment de ressources pour améliorer une arme. Ouais c'est bien, allez à demain. Je dirais un peu un Souls là ou Bloodborne. Encore? Mais wesh. Ah bon, on va pas les réactiver. Hein. Ah, attends, il y a un truc derrière. Regardez sur la map, hein, les coffres ils apparaissent. C'est quoi ce bruit? Oh putain! Il y a un boss! Oh. Allez, on est mort. Oh, oh putain. Oh! Et soignez-vous, hein. LB truc, hein. Quoi? Des dégâts alors que je suis à perpète. Oh putain. Ah, tiré dans sa tête, c'est son point faible. On lui a fait peur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, un coffre. Il est là, il est là. Il est là en haut. On voit pas sa barre de vie en fait. Oh, oh attention.
putain. Salam. Oh putain. Pourquoi moi? Oh putain. Oh putain. Oh putain. Mais wesh. Oh le chien. C'est le chien. Sacré plan. Vraiment le best toutou. Il est parti. Je l'ai senti vers là, vers moi. Tu sais que plus tu réas, plus tu vas pouvoir prendre le trait qui réa plus vite. Alors, en fait, ça a écrit que ça fait des dégâts, mais je suis pas sûr qu'il en prend en fait. Oh putain! Oh, oh mais pourquoi moi? Mais wesh! Oh putain! Hey, on voit des corbacs. Quoi? Oulala, oulala, je suis dans la merde. Oh, 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 c'est quoi tout ça? Oh, oh putain! Il y a des ennemis partout! Oh! Je suis à terre, les gens. On est tous morts. Spartan, sur moi, il y a des zombies, 2 zombies, 3 zombies, 4 zombies qui arrivent! Adieu! Oh putain! Oh putain, il y a Monsieur Tronçonneuse! Wesh! Mais c'est quoi cette zone de malade? Il y a Monsieur Tronçonneuse, frère! C'est pour ça que je t'ai dit de courir tout à l'heure. Aïe! Vas-y, je me rends. Abandon. Oh, oh, oh. Comme ça, en vrai, on peut le sauver. Et merci Freya pour le raid! Merci beaucoup, bonsoir! Comment? On peut pas revenir? Mais non. Ah oui, il doit absolument cliquer sur le truc en fait. Clic, clic, clic. Abandonne. Vite. Non. Ah, je suis en combat. Ah merde. Putain, en plus on a pas beaucoup de... d'endurance, on a rien, on est pas du tout petit là. Je saigne. Il arrive. Il a beaucoup de vie, c'est un boss. On l'aurait niqué en vrai. Ça allait eux là. Mais y'a tout le monde là frère. Oh là là. Bah ouais c'est une zone de désert. Oh là 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 là. Mais allez. Mais c'est une zone de fou. Mais venez on ira une autre fois là. Est-ce que tu veux pas avoir ta dîne dernière fois? Ouais à la limite ouais mais bon. Attends on peut pas se mettre des traits là. Normalement si hein, vérifier hein. Réserve de munitions. Énergie. Mais sympa. On dirait que ça nous améliore automatiquement. Je... Vas-y, je remonte l'énergie. Valider les traits. Oui. Oh là là, le bordel. Faudrait Monsieur Tronçonneuse le tuer en premier avant le boss là. Ah, il est là le boss. Il nous attend. Au calme. Bah il faut pas aller là-bas alors. Vas-y. Merde. Ils nous ont vu. Oh putain. Oh la 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 la. Oh là. Oh là qu'est-ce là. Vous croyez j'ai pas de soin? Zéro soin wesh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Voilà, voilà, voilà. Ah frère, ça passe à travers les murs. Oh, c'est impossible. Ah là, cette zone, elle est morte. Ouh. Hein. On reviendra. On reviendra. Vous payez rien pour attendre.
Salut. Eh ben, c'est sympa cette petite zone. Le truc, c'est qu'on pourrait revenir directement avec un cristal. Hein. On peut se TP. Hein. Ouais. Magnifique ce petit jeu. Il y a du challenge. Hein. Je vous ai dit que c'était un Souls-like. Hein. Souls-like TPS. Mais le boss en soi, il est pas dur. Hein. C'est l'autre. Hein. Ouais, un peu quand même, arrête. Hein. Il a des bons. Des non, bons bah... non, mais le boss, tu peux l'esquive, tu vois. Mais les autres qui t'attaquent par derrière. Eh, c'est un tout. Bon, il y a lui là. Oh là, il arrive. Il est pas content. Oh merde, je suis tombé dans quoi là? Wesh. Ce bordel là, je suis tombé dans un trou les gars. Merde, mais oui. Ah. Oh, j'ai pas vu lui. J'arrive les gars. Hein. C'est tout à fait normal. Mais wesh, je suis coincé dans ce mur. Ah merde, vous êtes tombé vous aussi. Tombé. Ah merde, bah bon courage. Wouhou. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a de beau au bout? Qu'est-ce qui défendait le monsieur là? Il y a un nouveau point de passage. Ici, il y a une grosse bibliothèque, on dirait une porte. Non. Non plus. Est-ce que c'est ça? Ah oui, ça c'est pour se soigner de ses blessures. Ah. Ça veut dire qu'on va encore aller dans une dinguerie là. Oulala, il y a des statues et tout. En mode bienvenue dans la merde. Attendez, mais vous êtes où là? Bah, on est au deuxième étage. Enfin, au l'étage du milieu de l'ascenseur là. Il me plaît pas cet endroit. C'est ouf. Oh là là. Oh oh oh. Attends, c'est quoi cette dinguerie là? Oh, ça me rappelle. C'est le trailer, c'est bon, je sais qu'est-ce que c'est. Ah, oh oh, c'est quoi, c'est un boss? Ouais. Ah bon? Oui, non, c'est pas un boss. Regarde, elle est gentille. C'est sûr? Eh oui. C'est la fée comme dans Zelda. Non? Ouais. Regarde. Pas confiance, c'est hein. Il s'avère que ce monde corrompu n'est pas encore dénué de surprises. Je vous salue alors et vous souhaite la bienvenue dans le royaume des failles. Des ou failles. En tout cas, ce qu'il en reste. Je suis Nimue, orfèvre, voyante, déesse des failles et conseillère. Tire pas ta mire. Ou je l'étais en tout cas. Mon don reste de voir ce qui ne peut être vu et de forger ce qui ne peut être forgé. Alors, être étrange, qu'est-ce qui vous amène devant moi? Je cherche mon ami du nom de Clémentine. Comme vous, vous dites, vous avez un goût unique qui m'est parfaitement inconnu. Fais gaffe, Spartan, je voulais jouer, je suis tombé. Oui, cela me dit quelque chose. J'ai peut-être vu cette Clémentine dans mes rêves et mes visions. Elle adopte une forme similaire à la vôtre, n'est-ce pas? Mais elle a un goût différent, plus puissant. Oh, hélas, non, je ne le sais pas. Tu sers à rien. Je l'ai vu dans un royaume très important, rempli de portes et de possibilités. Toutefois, je ne le reconnais pas, ni ne puis-je trouver le chemin qui y mène. Pas ici, pas dans ces circonstances. Le royaume est dans le désarroi le plus total. Le vrai roi a été destitué, mais d'une manière qui a engendré des conséquences inattendues pour tout le monde. Désormais, un imposteur siège sur le trône, un usurpateur, un escroc. Il doit être éliminé pour que je puisse réparer ce qui a été brisé. Et peut-être que vous puissiez trouver ce que vous cherchez. Je ne peux pas vous demander cela, mais si vous acceptiez ce fardeau, éliminer l'usurpateur, vous le trouveriez dans les étages supérieurs.
derrière une porte opulente, sculptée dans sa propre vanité. Et si je peux vous apporter mon savoir, j'aimerais savoir ce que vous pouvez fabriquer. L'orfèvrerie de Nimue est à votre disposition. Bah, tu vois, elle nous met bien. Bah, elle fait vraiment peur par contre, hein. Prophète et orfèvre des Fae. C'est le Léviathan version. J'avoue. Aiguille de fée, c'est inconsommable, génère automatiquement 10 de puissance de mode par seconde. Attends, mais je peux pas lui parler, frérot. Là, j'ai fait le truc, vous l'avez eu? Du tout. Moi, je suis mort, donc je peux pas savoir. Comment ça, t'es mort? Alors, écoutez ma requête. Je suis tombé dans le vide. L'usurpateur doit mourir pour que nous puissions récupérer ce qui a été perdu. Alors, elle nous a demandé d'éliminer l'usurpateur. L'orfèvrerie de Nîmes. Bon, ça, lui, il est mort. Ah oui, il est... Ah, on peut vraiment tomber là-dedans, là. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Je pensais qu'il y avait un mur invisible comme dans tous les jeux, en fait, dedans. Eh, pas dans les jeux comme ça, les Souls-like, mon gars. Les Souls-like, y'a pas de mur invisible. Tout est propice à la mort. C'est pour ça, faites pas les ouaves. Genre, même là, tu te dis, y'a un mur invisible dans tous les jeux. Mais non, je suis sûr que... voilà. C'est mort, mon gars. Eh ben, on fait bien d'explorer, hein. On trouve des bonnes choses, hein. Donc, elle nous a donné la quête de tuer l'usurpateur dans les étages supérieurs. Ah, donc, pour venir de la bibliothèque. Ouais. Pourquoi lui, il tombe? Ah oui, c'est parce que t'es mort. Les reliques peuvent remplacer votre cœur draconique et vous offrent des avantages spéciaux uniques. Ouais, on verra plus tard ça. Je vais juste regarder la carte. Alors, Clémentine, je dois retrouver Clémentine. La fresque, j'ai trouvé une porte ornée dans la cour du palais. Donc ça, c'est le truc des masques. Et l'usurpateur, Nimue m'a demandé de tuer l'usurpateur. Ce faux roi attend dans le château, derrière une porte opulente, sculptée dans sa propre vanité. Eh, il y a plein de quêtes, hein, c'est d'art, hein. Franchement. Je kiffe bien. N'hésitez pas à prendre le jeu avec mon lien Instant Gaming, les gens. Point d'exclamation IG dans le chat de Twitch ou en description de la vidéo YouTube. Ah oui, d'accord, on est obligé de... Ouais, mais je vais pas... Ça va pas faire des dégâts, là. Mais c'est bon, on attaque Spartan arrive. Ah oui, voilà. Pour... Et maintenant. Faut jamais baisser sa garde. Ah, bien vu. Alors, une porte opulente. Moi, je sais quoi le truc en face, c'est un monstre. Bah ouais. Mais non. Ah si, ouais. Bah oui, en plus, on est arrivé à la zone. Wouah, mais ils font super mal, les ennemis, c'est dingue. Yeah. Oh putain. Franchement, il est dur. Après, on est en terrain aussi, hein. Et nous on l'a voulu, on est en vétéran, hein, putain de merde. Ah bah on prend des cours aussi, en fait on joue un petit peu comme n'importe quel jeu. Bah ça dépend, tu veux quelle expérience. Si tu veux une expérience juste en mode Outriders, tu mets la difficulté en dessous. Non là c'est bien la difficulté, je trouve. J'avoue. Et ton Yanyan il nous aide pas? Ah. Ah. Oh le yin yin, oh non, merci, le yin yin, viens m'aider le yin yin et moi. Je t'ai donné des Frolix la dernière fois, frérot. C'est comme ça que tu me remercies. Merci. Ah mais ça me bouffe un cœur quand je joue rien. Ah bah oui. Eh, tout est propice à l'arnaque dans ce jeu aussi. J'avais oublié de le préciser. Bon, venez, on va voir ici. Vous devez un cœur, les gars. J'avoue. A priori, il y a un truc là-haut là, vous voyez le point d'exclamation? Ouais. Donc est-ce que ce serait pas là-haut? Ah non, c'est au milieu de la bibliothèque, wesh. C'est au milieu. Ouais, on peut... Merde, j'ai utilisé un cœur. Ah, c'est encore une porte cheatée, frère. En vrai, ça veut rien dire, quoi. Tout à l'heure, c'était un labyrinthe... l'échec, là. Oh non, pas ça. J'ai peur. Attention, il y a des mecs. Venez, j'enclenche le TP, on se casse. Restez dans le coin. Salut!
c'est la même zone, les frérots. Ah, non, c'est la même zone, mais pas le même endroit parce que tout est rouge, donc c'est pas visité. Ok, on visite quand même alors. Fairbourg. On aurait dû reprendre des balles et tout là, non? Ouais. Même des cœurs sur le côté. Tu veux? Bah ouais, j'ai wesh bien, oui, le cochon qui le tape. Attends, mais ça. C'est un cochon, frère. Gardons quand même l'œil ouvert. Il est bizarre ton cochon, hein. C'est un cochon Gollum. Vas-y, venez, venez. Oh! Les archers, faites gaffe. Mais viens! Oh putain. Bataille, y'a des archers, frérot. Mais viens, on se régène! Mais pas besoin. On reprend des munes et des balles. Même les balles, j'ai plus rien. Qu'est-ce que ça recharge les balles au moins? Bien sûr. Mais ça recharge même pas. Les cœurs, ça te redonne 3 cœurs machin. Moi j'ai plus de soins en fait, ça je comprends pas. Ça je pense faut les racheter ou un bail comme ça. Mais non, normalement. Inventaire. Qu'est-ce qu'il a lu? Mais tu peux te soigner avec le cœur, hein. Tu sais que si t'as plus de vie, tu utilises le cœur avec RB là et ça te soigne. Ah, d'accord. Non, c'est pas absolument le pas de oh. Qui est, c'est con. Et en haut. En haut. Ah, il y a une vraie ambiance, hein. Cochon! Et c'est avec le yin yin! Oh! Couvrez-moi! Oh, c'est un labyrinthe encore! Hein. On est tiré d'affaire! Pour l'instant! Voilà, frérot! Est-ce qu'à votre avis, on peut taper un saut comme ça là? Ah ouais, on peut! Let's go, un point de trait. Ah, vous avez regardé tout en haut dans le ciel? Non. Bah, regarde. Oh, ouais. Oh, l'aurore boréale. Aïe! Mais, putain, je croyais que t'étais un ennemi. Un aurore boréale. C'est D, hein. Parce que là, frérot, y en a pas qu'un. Hein. Ouais, mais bon. Bon. A priori, on est bon là, non? J'ai juste vu ça là. Ah, du fer. Bien tout ramassé. On continue, messieurs. Oh, la zone a l'air très très grande, hein. Je sais pas si ça va nous ramener à où on était tout à l'heure. Il y a de grandes chances. Déjà, c'est plus tranquille. Il y a une porte. Ah, attendez, attendez, on l'ouvre pas tout de suite. Oh, c'est... Ah, ça continue, hein, putain, c'est... Faut que je retarde. De toute façon, je pense que la porte, on peut pas l'ouvrir. C'est quoi? Oh, qu'est-ce que t'as fait, là? Vas-y, viens, on va l'aider, vite, vite, vite. Il y a une... Oula. Il y a une musique que j'ai pas trop aimé. Ah, ils ont des armes, wesh. Ils s'en foutent, ces Romains. Faut jamais baisser sa garde. Derrière, derrière. Qu'est-ce que ce bordel? Je suis désolé, sinon je t'ai mis une place en fait. Eh bah, une oula, oula. Oui, oula. Ah oui. Cochon, faites gaffe. Attention, ils arrivent. Descendez-les. Ta mère qui m'a tiré dessus en traître. Oh,
recharge. J'ai sauvé l'enfant. C'est bon. On a réussi. Cristal de luménite, on a eu. Attends, j'ai sauvé un enfant, je vais le suivre. Comment ça? Bah, en fait, il y en a un enfant qui se faisait attaquer, j'ai tué un mec qui s'enfuit après l'enfant. Ah, ouais, il y a des enfants, genre des humains. Ouais, ouais. Ah, il est là. Bonjour, monsieur. Et donc? On a fait quelque chose? Bah, il voulait te parler là. Ah, ouais, merde. Vas-y. C'était une embuscade. Il s'est bloqué ton gosse là. Ça va? Ah, attends. Suivons-le, il peut nous amener un secret. Ouais, ça y est, je te tiens. Qui a dit ça? Qu'est-ce qu'il va nous faire le gosse? Bah, tu le suis, hein, tu nous appelles. Vas-y. À vous là, ça fait Bloodborne. J'ai pas fait, mais ouais. D'accord. Et bah, allons voir mamie. Voilà mamie. Get sa réaction, mamie. Filmons ce beau moment. Là, et voilà, non. Ah! Je vous remercie. Bah là, une voix je de jeune. N'ai pas grand chose à donner. Mais une voix d'enfant même. J'ai vu tout le chemin que vous nouveau avez trait récupération. Je suis l'oracle des drames. Et dans cet endroit, il y a peu de choses qui m'échappent. Par exemple, vous avez perdu quelqu'un. Une amie. Ouais. Vous êtes venu ici à sa recherche. C'est vrai. Oui, c'est elle. Elle vous a sauvé. Et c'est maintenant à votre tour de la secourir. Mais vos chemins ont bifurqué, apparemment. Elle n'est pas du tout dans ce monde. J'en suis désolée. Ah. Mais vous êtes sur la bonne voie. Vos routes se croiseront bientôt. C'est super, je la vois, dans un endroit fait de coutures, de chemins et possibilités infinies. Bah, ça nous aide pas, hein. Après, j'avoue qu'elle a 20 ans, la vieille. Ne soit pas très clair. Je te jure. Ou bien, il est possible qu'il n'ait pas encore été cousu. Vous voyez, notre monde a été déchiré. Mais je vais le rapiécer comme il faut. Une couture à la fois. Comme cette couverture. D'accord, mon cœur. D'accord. Eh ben, on dirait des PNJ un peu Souls, hein. Ouais. Qui avait pas spécialement dans le premier. Enfin, j'ai pas souvenir qu'il y en avait des comme ça un peu. Écoute, est-ce que tu veux pas qu'on aille voir la porte? Ouais, moi aussi, ouais, je voulais y aller, ouais. Attends, du coup, parce c'était de côté. Comment on est tranquille? Ouais, j'avoue. Bon, après, si c'est un boss, on est de la merde. Écoutez, hein... Déjà, on a... Attends, c'est quoi le trait qu'elle nous a débloqué? La récupération. C'est un trait qu'on peut améliorer. La régénération d'énergie. Ah, c'est bien. C'est... Merde, j'ai pas validé, je crois. Voilà. C'est pour avoir plus d'endurance. Ça c'est bien ça, plus que tu sports, plus que t'auras des traits. T'as vu ça? Et plus tu soignes aussi, hein, je t'ai dit tout à l'heure, plus tu soignes tes potes, plus ça va vite. Et plus vu que c'est un monde procédural, personne ne peut nous dire, tu sais, il faut aller là pour trouver... Eh ouais. Ouais, bah les mecs qui aiment bien faire des guides de jeu, ils sont baisés. Mais dis-toi que là, on a même pas fait la première mission du jeu, genre on fait que aller ailleurs là. J'avoue. Il va y en avoir du contenu, hein. C'est pas là. Allez. Découvrons là où ça va nous emmener. On va tomber contre Dragon. J'avoue. Ah non, on revient là. Non. Comment ça, on revient là. On n'a jamais été là, wesh. Oh, j'aime pas les égouts. Ça fait deux fois que vous faites le coup quand même. On prend le cristal vite fait. Ouais, vas-y. Ça me rappelle trop le landing et les égouts. Je veux pas y aller. Yo, j'ai acheté le jeu il y a 15 minutes. Tu le trouves comment pour l'instant? Franchement, il est incroyable par rapport au premier. On fait que trouver des secrets. Dans le premier, c'était assez linéaire en soi. Là, il y a que des secrets. Là, c'est dingue.
Regarde les trucs chelous, il y a des boules. Merde, je tirais sur ton kleps. Les grands égouts, mais où c'est qu'on est, frère? Oh là là, hey, ce jeu va nous emmener dans des endroits. De base, on était dans la bibliothèque, on cherchait les têtes hein, pour ouvrir la grande porte. Il hein. Y a des ratus, faites gaffe. Sans charge. C'est comment les sensations de shoot? On a un shoot, on a un rasement. Comme dans le premier, hein, ça, c'est le même gameplay. Après, qu'on peut aller dans l'eau. Oh, lampe torche, flèche duo, je crois. Lampe torche, flèche duo. Oui, oui, c'était après dans le tuto. C'était dans le tuto? Ah bon? Oui, oui, quand le vieux t'amène à la genre de grotte là. Ah, là, je fais flèche duo, j'ai pas moi. Mais si, c'est activé la torche. Ah, la lampe torche! Il y a une différence entre une lampe torche et une torche. Oh, oh là là, c'est bon, t'as compris. Ah, oh. Non, non, moi je suis à cheval. Monsieur le premier degré. Bien sûr. Bah y'a que dalle hein. Ça a rien de monter messieurs. Osa. Mais il explore voilà, pas le Joe, regarde s'il y a que dalle. Quoi, y'avait quoi? Oh là 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 là. Y'avait quoi? Ouais y'avait quoi? Je suis venu, j'ai rien vu. Attends genre y'avait un truc là-haut là. Ouais c'est un passage allez, secret hein. Je crois. Ah ouais. Attends y'a des passages secrets genre. La Elden Ring le truc. Ah ouais, bien joué ça. Tu tapes un mur, ça te ramène à un autre endroit. Wow. Vas-y en premier. Ah bon. Allez vas-y. Wesh c'est quoi ça? Secours. Faut jamais baisser sa garde. Ça va, idiot. Wesh, y a des bouboules. Ah, tu me vois les dans le RB. Ouais. Ah oui, si, c'est bon. Wesh, je 10%, les c'est quoi, c'est la noix 10% ouais, de mais dégâts en moins là. Ouais, 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 ouais. C'est rien ça, wesh. Ah bah écoute. Bon. Allez, oh là, il a lancé le boss, ce con. Gagner 50% des soins que les autres utilisent, en vrai 10% de classe. Oh, c'est une grosse limace. C'est beau. Attendez, vous êtes où? T'as dit, il a lancé le boss. Oh, les Kekos. On va découvrir. Ah, la petite musique. Eh ben, adieu. Alors, oh putain, il faut pas tomber. Hein. Et c'est quoi cette vie? Jamais, mais ça s'est pas. Ah, t'as fait la petite bleue là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, attends, il a trop de vie, frère. Eh, mais c'est la coquille bleue qu'il faut taper, pas le gros, ouais. Ah bon? Non, ça ne l'est pas de. Je suis tombé des Depsos. Ah, on monte. Oh là là! Oh là 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 frérot! Ah ah ah! C'est où? Oh, oh. Oh merde! Et c'est parti. Eh ben. Oh là là. Oh. On est tiré d'affaire. Pour l'instant. Merde, je veux pas descendre ta mère.
pour ma pomme. Non. L'armée. Ah, j'ai plus de balles. Même pas fait la moitié, c'est chaud. Par contre, on gère la première fois. Ouais, mais si vous avez de la vie, je dis pas non. Avec votre truc là, comme ça, ça m'évite de claquer. Ah, merci, ça c'est bien ça. Wesh, je redirai pas non après. Oh! Un de recharge. Ouais, je me doute, mais c'est combien de temps? Je sais pas. Je connais pas, il y a même pas marqué. Ouais, je vais mourir là. Faut faire du soin ou pas? Tiens. Non, c'est mort. Voilà. Ah, merde. Ah bah oui, non. C'était dans la critique là. On est tiré la plus. Et merde, oh non, en plus ça te nique un cœur hein, quand tu me rires. Oh, oh là là. Et le yin-yin il va. Ah ouais, mais le yin-yin aussi il claque des cœurs. Oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya. Ah, je vais mourir. Dans 5. Ah, ah, frère, j'ai même pas d'interprète, il m'aura attaque. Vas-y. Oui. Allez. Oui. Allez. Oui. Allez. Oui. Oh, oh, mais voilà, il m'a retué, putain. Ah, bah là. Arrive. Attends. Merci, Ultra Julou, hein. Je te remercie. Il faudrait améliorer ces cœurs draconiques là, on pourrait en avoir plus. Oh merde. J'ai peur, Spartan. Oh la merde. Ah, t'as du soin? Non. Là, je suis dans une merde. Allez, bientôt mort. Oh là là, je suis mort. J'ai plus de vie là. Oh là là, je suis mort aussi. Oh non, mais non. En plus, là, c'est la première fois que je suis mort dans celui-là. Allez, vas-y, tu peux le faire. Non, les boules, là, les boules. Pas de dégâts là. Il faut que tu te concentres sur les boules.
t'es dans un endroit. Ah mais sors, remonte. Je crois que j'avais le temps de tuer avant de mourir. Ouais, il est plein. Vas-y les boules là. Vas-y, elles sont mortes. Allez, cours là, tu prends tout d'un coup là. Remonte en haut si tu peux. Ouais, bien joué ça. Ah, il faut que tu remontes. Ouais, je veux bien, mais. Allez, là, si tu le fais. Passe à ta droite. Je dis vive Xbox. Attends, il va faire l'ultra laser là. Après, je suis en sécurité là en vrai. Ouais, c'est ce que tu crois ça. Ah, en vrai. Tu cherches les boules. Là, les boules, vas-y. Attention. Là en face, les boules, vas-y. Sécurité, disait-il. Ouais. Oh là là, vas-y, va-t'en, d'ici, va-t'en. Tu vas te faire une explosion d'un coup, là, tu vas mourir. Pour le peu qui reste, tu peux sauver la game, ouais. Et tu mets tout à côté, là, où je rêve. J'ai cru. Ouais, mets-toi à côté. Oh là là. Ah, mais fais pas le con. Oh là là. Frérot, par contre, là, ça fait 10 minutes, tu l'as rien enlevé. Hein. Tu utilises ta compétence pour scanner tous les ennemis? Oui, mais attends! Ça te fait des buffs, non? Oh là là. Eh, dis-toi, on crie vive Xbox si tu réussis. Hein. Arrête-vous la pression! Voilà. Ah, ok, vas-y, allez, je dis plus rien. Sinon, il est derrière le camp, Eh, crève! Attends! Souvent en vrai ton truc là, connard. Mais j'avoue. Avance. Imagine une PD. Sigan. Oh là. Allez. Avance. Vino. Oh le con. Oh le con. On prend pas de dégâts quand tu essaies de déplier. Oh le con. Ça pue. Vas-y, tire. Il est où? Allez. Il va mourir, je le sens. Regarde, t'es mort. Remonte là. Ouais, mais non, remonte pas, vas-y. Non, oh là là. Il est derrière toi, là, lève les yeux, ta mère. Mais non, mais tu fais des tours de merde. C'est derrière, voilà, non, pas ici. Oh là 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 là, mais qui est con. J'ai juré, hein. T'attends plus de soin. Il a un peu de... C'est à gauche. Il est en haut. Là! Tire! Oui! Bah putain! Ah, il veut pas qu'on foute la pression, mais le mec, on l'a laissé, il branle rien! Ouais, mais c'est quoi, tu veux? Ah, frérot, on a arrêté de te gueuler dessus, t'étais en train de faire des tours! Oh là 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 là! Je dis pas vive Xbox quand même! Clémentine, comment passer par ici? Mais frère, t'es mort en premier, tu veux quoi? Mais toi, t'as du soin. Probablement. D'ailleurs, je vais me l'acheter ce truc, hein, c'est dark. Bestiole aurait pas été là, sinon. Mais j'aurais su que ça se recharge autant, frérot. Ah oui, il l'a fait tout le temps. Incroyable. Attends, elle est là, la sortie. Attends, que je m'en fasse des dégâts, hein. Y'a pas de coffre? Ah, pas con. Mais normalement, non. Donc il a sauté sans savoir s'il y avait une porte. Mais arrête de donner des. Eh, frère, t'es mort en premier, tu fermes là, gobe-la moi. Hein? Il sait même pas où il va. Bah ouais, tu peux nourrir là-bas, tiens. Voilà. Il est fou celui-là. Ouais, mais il a la sortie, donc hein. Mais justement, Réa, et après on y va. Allez, je vais à la sortie. Il va te faire enculer. Et le force... T'as vu? Sans nous, t'étais mort de toute façon avec Spartan. Mais tu veux quoi? Mais déjà, vous êtes tombés tous les deux, là. Déjà, à partir de là, c'était la merde. Ah là 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 là. Ouf! C'est quoi qu'on a gagné d'ailleurs? J'ai même pas vu. Je sais pas du tout. Alors. T'es sûr qu'il y a une sortie là? Oui! Ah ouais. Alors qu'il est quitté en gros. Comment ça quitter en gros? Ah, parce que tu vas pas parce que t'es mort sûrement. Mais moi il y a marqué quitter en gros. Ah en blanc. Là il y a un coffre là, voilà. Voilà. Tenez messieurs. Effectivement, il y a une porte. Prochain niveau, normalement, mon chien il pourra vous soigner.
Bah il nous soigne déjà. Moi j'étais pas prêt à la compétence. Il nous soigne déjà. Il nous soigne pas. Mais si, il m'a déjà soigné, même Snow. Enfin il vaut rien, mais il vous soigne pas. Ah oui d'accord, ok, pardon, ouais, ok. Vous êtes parti du coup? Mais oui, oh là là, il est même pas parti le type. J'étais en train de mettre mes petits archétypes. Et... Mais bah, là, vous savez qu'on va atterrir encore à un nouvel endroit là. Parce qu'on fait que prendre des portes. Il faut c'est un cercle vicieux, ce truc-là. Jure, faut qu'on revienne dans la bibliothèque de base là. Ah, ouais, ah c'est bon. Ah oui, là c'est la. Ah là, on connaît là, non? Voilà, venez. Ah, j'avoue. Ah, non, on vient de le prendre. Ah oui, je pensais que tu parlais du cristal. Alors, voyons voir, on est où là. Par contre, le filtre, il est bizarre. Moi, je suis pas sûr qu'on soit dans la bonne bibliothèque. Hein. C'est qui ça en haut? Bonjour. Attends! Ah, c'est le mec! Il nous dit de venir. Venez, venez. Ah, ah, oh! Qu'est-ce qu'il fait? Ah! Ouais, 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 regarde. Wesh, il se passe une dinguerie là. Ah ouais? Ah t'es faux que? Wow wow wow! Il joue à Yu-Gi-Oh! Attends, attends! J'avoue, c'est Yu-Gi-Oh le truc! Ah, il fallait regarder les. Merde! Ah, je peux pas aller! Oh merde! Ah ouais, bah non, mais frère, Non, c'est quoi? Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Wow wow wow, frérot, s'il fallait trouver une paire là, je l'ai. Arrête de pousser, toi! Il a perdu! Ah d'accord, il a trois nouvelles portes, ok. Attendez. Ah, trois. Ah, il y en a pas trois. Ah ouais, non, mais il y en a cinq. Attends, attends, on va aller lui parler, là. On va lui dire, frérot, tu nous balades depuis tout à l'heure, là. C'est qui, ce mec, là? Ah, attends, t'as ouvert une porte, ouais, bien vu. Wesh, il est là. Non, c'est qui? Ah, non, c'est un méchant. On va bien. Ah mais c'est la bibliothèque, non? Si. Oui. Ah mais non, mais elle est pas pareille, hein, j'ai l'impression, hein. Pourquoi elle a un filtre bizarre, vous trouvez pas là? On est pas au même étage, je crois. Attends. C'est pas la même, c'est pas indiqué, hein. Les étages sur la map. Je sais pas. Oui non, c'est pas la même. Hein. Non, c'est pas la même, elle y ressemble mais non, c'est non, c'est pas la même du tout. Aïe, ah, c'est marqué. Il y a l'objectif là. On est au palais maléfique. Gardons quand même l'œil ouvert. Regarde le joueur de cartes, la quête. Comment ça le joueur de cartes là? Il est casse-tête quoi. Mais la quête a dit. Croiser la route du roi qui apparaît des cartes. Ouais. Je devrais peut-être jouer le jeu. Est-ce qu'il fallait pas jouer la bonne carte ou la bonne porte? Ah ouais. T'as vu qu'on l'a pas regardé? Wow wow wow, y'a des esprits là! Merde, désolé le gna gna. Tiens! C'est quoi les snipers? Frérot, c'est le Call of Duty ici. On va bien. Du coup, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à la bibliothèque de base, mais c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'il y a changé? C'est la bibliothèque, quoi. Ouais, mais non, c'est pas la même. Faites gaffe aux tireurs. Ça se trouve, il fait nuit. On a réussi. Non, regarde, il y a un bouquin. Le festin du roi, la flemme de lire. Je suis obligé de tourner toutes les pages. Nanina, nanani. Les animaux, lorsqu'il a été de roi, morale de l'histoire, au diable les cadeaux, une tarasse. Apparemment il y a... Je sais pas si c'est la même.
C'est bizarre parce que quand on monte, c'était rouge. Hein. Hein. Oh, oups. Vérifiez s'il n'y a pas un coffre au fond là. Ah bah non, c'est pas la même. C'est la même hein. Non, c'est pas la même. Je viens d'ouvrir un coffre que j'avais déjà ouvert. C'est une nouvelle. Ah putain. Là, il y avait un coffre. Qu'est-ce ici. Qu'est-ce que ça fout là? Mais du coup, mais attends, il est où le genre de carte là? On est pas du tout. Oh, le masque! Ah ouais! Mais ça doit pas être le bon morceau. Et donc? Bah, ça a marché non? Et donc, il nous a manqué. Mais du coup, il était posé, Roddy. Ah ouais, je l'ai posé, mais. Mais c'était pas là, ouais. Mais attends, mais je comprends plus rien de ce jeu, frérot. Attends, mais regardez là, même ici c'est rouge, ça veut dire on n'est jamais venu. Et le Léviathan, il nous a fait quoi là? Ah ouais, on est dans un monde alternatif ou quoi là? Regarde, même là, normalement on commence, il y avait le caillou ici. Mais il y est plus. Ouais. Je comprends plus rien, frérot. Ah, y'a un coffre. Pourquoi notre masque a marché là? Alors là. Bon, faut retourner voir le joueur de cartes, je crois. Ah ouais, mais il est où? Alors là. On l'a, même ça, on l'a perdu. Ah, sinon, dans ce monde-là, dans cette réalité, il faut les poser ce masque. Et dans la vraie réalité, il faut poser l'autre, non? Non, parce que dans l'autre, je pouvais aussi le poser. Ah. Ça se trouve, c'est un monde parallèle. Hein. Donc il en manque quand même. C'est très étrange. Mais moi, je dis, on va s'arrêter là pour la vidéo YouTube. Parce que ouais, j'étais toujours en tournage de la vidéo YouTube. Et je pense là, ils se demandent ce que c'est ce Beans. Eh bien, ils devront venir sur Twitch. Pour voir les rediffs, pour voir en direct. Voilà. Mais en tout cas, le jeu, il est inside. Tiens, Spartan, qui était pas chaud de prendre le jeu. Qu'est-ce qu'il en pense? Pour l'instant, c'est pas mal, mais je suis perdu. Ah bah oui, bah ça, c'est un Souls. T'as jamais fait de Souls en plus, toi? Non. Ah bah voilà. Et bah c'est ça les Souls mon gars. Allez, des bisous YouTube, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ciao ciao.